Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo, dans laquelle on va parler de l'arrivée d'Mbappé au Real Madrid. Mais avant de parler d'Mbappé qui est selon moi un excellent attaquant, n'hésite pas à liker et de t'abonner à la chaîne en activant la cloche, ça reste et c'est évidemment le plus important, je compte sur vous. Et nous les mecs on est parti pour parler de l'arrivée d'Mbappé au Real Madrid. D'après les dernières informations du D-Sport, Kylian Mbappé a passé un pacte avec le Real Madrid en fin de contrat au PSG en juin prochain, en 2022, Kylian Mbappé a déjà tout préparé pour son arrivée au Real Madrid. Tout le PSG se mobilise pour Mbappé. Libre dans un peu plus de 3 mois, Kylian Mbappé est plus que jamais sur le départ du PSG et les dirigeants parisiens tentent leur va-tout pour le convaincre de finalement prolonger à Paris. Pour le moment, cela n'a rien changé et comme vous l'a révélé le D-Sport, le français Kylian Mbappé a déjà trouvé un accord de principe pour rejoindre le club madrilène, le Real Madrid. Ses coéquipiers de Paris, du PSG, aimeraient toutefois le voir rester encore longtemps. On a déjà essayé de parler avec ça, avec Kylian, a récemment expliqué Marquinhos au micro de RMC Sport. Mais on se voit tous les jours, et on ne va pas en parler tous les jours. Il doit prendre la décision à lui seul. Il sent qu'il est à l'aise à Paris ici, et nous on a essayé de le faire sentir à l'aise. Pourtant, toutes ces tentatives pourraient se révéler. D'après les dernières informations de AS, une prolongation de Kylian Mbappé au PSG serait tout bonnement impossible. Le quotidien confirme les informations du D-Sport concernant un accord de principe entre l'attaquant français Kylian Mbappé et le président du Real Madrid, Florentino Pérez, qui est persuadé de pouvoir rattraper l'échec de 2017 quand le PSG a réussi à recruter Mbappé. Le PSG ne devrait vraisemblablement pas lâcher une prise de sitôt, mais au Real Madrid, on semble persuadé qu'Mbappé ne changera pas de cap et quittera donc son club le 30 juin prochain. Voici en tout cas pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, dis-moi ton avis en commentaire. Est-ce que l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, c'est vraiment possible? En tout cas les gars, n'hésitez surtout pas à liker et de vous abonner avec la cloche. Ça reste, c'est logiquement, c'est évidemment le plus important. Je compte sur vous les gars. Je vous dis à la prochaine et salut.